Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver du coup en ce petit dimanche soir, histoire que l'on puisse faire les sorties littéraires de la semaine. J'en ai relevé 23, si je dis pas de bêtises. Et après, petite session lecture. Comment allez-vous? Coucou Étoile, comment tu vas? Coucou Linda, 23 sorties encore, c'est une blague. Non. Allez, on attaque les sorties avec la première de la semaine. Il s'agit de Zamira Wilson, le tome 4 en quête de l'oracle, qui est publié chez Bookmark dans la collection Onirique. Et c'est de Shannon Meyer. Personnellement, j'accroche pas du tout avec la plume de cette autrice. Mais c'est mon avis personnel. Donc, comme d'habitude, on lit le résumé du tome 1 pour ne pas se spoiler. On est sur une saga en 9 tomes. On nous dit que Zamira Wilson, il pense que c'est une moins que rien promise à l'échec. Elle va se battre bec et ongles pour leur prouver le contraire. Le royaume de la sorcière, une terre éternellement plongée dans un hiver artificiel gouverné par la sorcière de glace. Celle-ci est protégée par 3 créatures surnaturelles qui parcourent ces terres, chassant les âmes imprudentes et tuant toute personne croisant leur chemin. Pour atteindre le royaume de la sorcière, il faut d'abord traverser le territoire des dragons. Dragons qui d'ailleurs n'apprécient pas les intrus, c'est vers là-bas que je me dirige, malgré l'interdiction de mon mentor. Ma meilleure amie a été envoyée, accompagnée d'une équipe, dans le royaume de la sorcière afin de retrouver un joyeux puissant appartenant à notre mentor et ils auraient dû rentrer depuis un bon moment. Ce qui m'oblige, moi, Zamira, téméraire, Wilson, à partir à la recherche de mon amie, qu'on ne me l'interdise ou pas. Je me retrouve avec un humain dans les pattes qui s'incruste pour le voyage, un humain aussi faible et inutile que mes capacités de métamorphose. Ajoutez-y une arme dotée d'une conscience qui essaie de me tuer à chaque fois que je la touche et un petit dragon avec un penchant pour les insultes shakespeariennes et vous avez un résumé de mon voyage. Voilà un petit peu pour le premier tome de cette saga. Enfin, au niveau du résumé, donc sachez que si vous attendez la suite, elle arrive très prochainement. On passe à la deuxième sortie. Donc les premières sorties que je vous présente, c'est des bookmarks. Il y en a pas mal des bookmarks encore cette semaine. Il s'agit d'une touche de magie, le premier tome, Manoir magique et petit tracas de K.F. Brin. Donc on est sur une saga où il y a 7 tomes d'annoncés. Donc c'est dans la collection Urban Fantasy. J'adore la couverture, personnellement je suis assez fan. Et on nous dit... Qui dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose? Quand l'homme qui partageait mon quotidien depuis plus de 20 ans me plaque comme une vieille chaussette et que mon fils quitte le cocon familial pour aller à l'université, je comprends que je n'aurai pas droit à mon happy end. Qu'à cela ne tienne, je suis une femme forte. Je peux recommencer à zéro. Et cette fois-ci, je compte bien faire les choses à ma façon. Direction les contreforts de la Sierra Nevada pour m'occuper d'une maison séculaire qui m'a toujours étrangement fascinée. Et le majordome en cap qui pourrait décrocher le prix du pire coach de vie du monde ne va pas me faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais ça n'est que provisoire. Juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Du moins, c'était le plan. Avant que je découvre la vraie nature de cette maison. Oui, c'est l'autrice de La Malédiction des Roses, exactement, Angélis. Y a-t-il autant de spicy? Je ne sais pas. Me tente pas celui-ci. Tu l'as lu, La Malédiction des Roses, ou pas, Linda? J'ai un doute. D'ailleurs, je crois qu'à peu près cette semaine, je ne l'ai pas mis dans les sorties littéraires, mais en début de semaine, il y a un collector de Kate Daniels qui sort chez Bookmark, qui sera commandable uniquement chez Bookmark. Et je crois que c'est le tome 3 ou le tome 4, si je dis pas de bêtises. Donc si jamais, soyez à l'affût. Hein. Après. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme sortie littéraire? Parce que je me souviens déjà plus ce que j'ai mis dans la sélection. Je crois que c'est une petite romance universitaire, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Sur le campus, le tome 3, I Hate You, de Lisa Madden Mills. Alors, est-ce des tomes compagnons ou est-ce des spin-offs? Je ne sais pas. Donc, on est dans de la romance universitaire avec du football américain. Et non, je crois qu'on suit des personnages différents à chaque fois. Mais dans le doute, je vous lis que le résumé du tome 1. On va pas prendre le risque de se spoiler.
Delaney a tiré un trait sur les athlètes après que son ex lui a brisé le cœur. Mais Maverick est déterminé à la faire changer d'avis. Quand Delaney Shaw, passionné de chatons mignons et de Star Wars, reçoit un message de super athlète la défiant de passer une nuit dans son lit, une nuit qu'il promet en plus d'être inoubliable, elle sait qu'elle devrait simplement l'ignorer, mais qu'a-t-elle de mieux à faire pour la Saint-Valentin ? Et super athlète n'avait pas tort, au contraire, après une nuit mémorable, Delaney découvre sa véritable identité, Maverick Monroe. Le mauvais garçon est star du football américain universitaire, le genre de type qu'elle évite comme la peste, surtout depuis que son ex lui a brisé le cœur. Les sportifs, c'est fini. Coucou Joanne, j'espère que ça va. Ici, ça va plutôt bien, on est en plein dans les petites sorties littéraires de la semaine. Voilà, donc petite romance contemporaine dans le sport universitaire. Et je pense qu'honnêtement, c'est un personnage différent à chaque tome. Ça doit être des petits tomes spin-off. Après, y a-t-il un petit fil conducteur? Je sais pas. Ensuite, on a une petite sortie qui m'intrigue beaucoup d'un nouveau label. Je pense que vous l'avez vu passer un petit peu de partout. Basique, mais toujours appréciable. Effectivement, toujours appréciable, ce genre de petite romance universitaire, comme tu dis, Linda. Alors, c'est du label Calyx, donc c'est Pygmalion et j'ai lu. The Curse of Scent, le tome 1 de Kate Dramis. Alors, il y a également un collector pour ce livre-là, mais je le trouve très moche pour ceux qui ont vu les images du collector. Je préfère carrément le brocher. Donc, tant mieux. Donc, The Curse of Scent, le tome 1 de Kate Dramis, ça nous parle d'une espionne émérite et troisième commandant de la reine. Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Mais lorsque Aya libère un pouvoir que tout leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Franchement, résumé assez bateau, mais intriguant. Lui me tente bien, je l'ai mis en wishlist et apparemment ce serait une duologie puisqu'ils annoncent que 2 tomes sur Booknode. Il te tente, Linda ? Mais je pense qu'il va tenter beaucoup de monde. Mais ouais, la version collector, là je suis en train de regarder les images. Elle est moche, mais je la trouve moche. Je suis désolée pour ceux qui aiment. Hein. Mais je déteste ce orange et ce jaspage. Je trouve que ça va pas. Coucou Lise, comment tu vas ? Merci beaucoup pour ton lurk. Ah non, je suis pas fan de la version collector de ce titre-là. En photo, en tout cas, je n'aime pas du tout le collector. On est d'accord, Amélie. On est d'accord. Ah oui, je regarde sur Amazon. Ah bah, je suis pas la seule. Pour une fois, le brochet est mieux. Qu'on soit d'accord. Casimir. Les vieilles références, on se connaît. Ensuite, on a du 17 avril, Collision, le tome 2 de la saga Les Personnificateurs. C'est chez Alter Real et c'est écrit par Lisa Bartelet. Alors, ça a l'air d'être une duologie. Et le premier tome de cette duologie nous dit que le monde a changé. Un voile sépare le visible et l'invisible, la vie et la mort. Les seuls capables de maintenir la paix et d'empêcher une nouvelle catastrophe sont les personnificateurs qui travaillent pour le Bureau fédéral de contrôle. Capables d'interagir avec l'autre côté, le Tanakh, ils nettoient toute trace de résonance, ces empreintes maléfiques qui peuvent contaminer les humains et causer leur perte. Marianne est l'un d'entre eux. Lorsque le Bureau l'envoie nettoyer une ancienne prison, elle sent que ce n'est pas une mission comme les autres. Là-bas, elle rencontre le sombre et mystérieux Sozen. Personnificateur lui aussi, il enquête sur le meurtre d'une inconnue dans une chambre d'hôtel. Il a besoin de l'aide de Marianne. Ce qu'il ignore, c'est que le secret qu'elle porte risque de changer la face des mondes, celui-ci et l'autre. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il est la clé. Le voile entre le visible et l'invisible n'a jamais été aussi fin. La déchirure est proche. L'avenir du monde dépend d'eux et de ce qu'ils sont. Donc ça a l'air d'être une urban fantasy assez sympathique. Je crois que j'ai jamais vu de truc un peu avec des personnificateurs, mais j'aime bien quand il y a un petit peu des enquêtes dans les urban fantasy.
Les avis de Livradic m'ont un peu refroidi. Tu parles de la sortie précédente, Joanne? J'ai pas vu les avis pour tout avouer. Mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'Aurélie l'a lu et qu'elle l'avait bien aimé. Hein. Si tu parles du livre du label Calyx. Ouais, Cœur Saint Saint, ouais. Je crois qu'Aurélie, elle l'avait bien aimé. Livre romancien. Alors, je vous affiche la prochaine sortie. Elle est là. Tac. Alors, la prochaine sortie, c'est un tome 2. Ça a l'air d'être également une duologie chez Alter Real. Gunshot Jackpot de Laurine Boireau. Je trouve la couverture assez sympathique pour le coup. Avec ce petit pic, cet petit effet brisé et or. Alors, on va aller voir le résumé du tome 1. Donc c'est une romance, même une dark romance, ennemi à amant, mafia et gang, on nous dit. Et donc, on nous dit que Hobb est le bras armé d'un des gangs les plus puissants de Manhattan. Grâce à son regard aussi affûté que les corbeaux qu'elle manie, elle ne loupe jamais sa cible. Entre règlement de compte et mission meurtrière, ces malfrats anonymes font la loi en ville, leur ville. Mais lorsque les Yakuza viennent menacer l'équilibre de leur nation... C'est à eux que le FBI fait appel. Contre 10 millions de dollars, il leur propose de démanteler les Yakuza, peu importe la méthode. Pour mener à bien cette mission, le groupe doit faire appel à celui qu'on nomme le Joker. Sa réputation le précède. Théo est un tueur qui ne travaille jamais en équipe. Il est froid, sans cœur et excelle dans l'art de la manipulation. Pire que tout, il demeure l'ennemi incontestable d'Aube. Pourquoi fallait-il que ce soit lui? Si elle pouvait le poignarder pour lui faire perdre son sourire aussi exécrable que séduisant, elle ferait sans hésiter. Je bug, parce qu'en fait, quand je lis Aube, je pense à une certaine Saya, ceux qui l'ont lu sauront. Car dans une partie de poker, tous les coups sont permis. Est-ce qu'Aube et Théo sauront jouer les bonnes cartes et mettre leurs différends de côté? C'est le genre de romance que je pourrais lire en vrai. Tu vois la guilde partout. Non, pas du tout. Non, mais ça me fait bugger, moi. Ça me fait bugger. Et je vois pas notre petite Aube arriver dans un gang, si vous voyez ce que je veux dire. C'est incroyable. Mais cette saga, c'est ma vie. La guilde, c'est ma vie. Voilà. Je peux pas faire sans. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée que je lise cette duologie un jour, parce que je vais faire un amalgame. On passe à une sortie encore du 17 avril, On ne vit qu'une fois, de Maxime Moret, et ça sort chez City Edition. On nous dit que lorsque le mari de Lily meurt, elle déménage en bordure d'un petit village, s'installant dans une ville solitaire avec son frère pour seule véritable compagnie. Cette petite vie tranquille devient son refuge, là où rien ne peut plus la heurter. Lorsque son frère propose à Jack, son plus ancien ami, d'emménager dans la chambre d'amis, Lily est réticente. Mais on voit totalement ce qui va se passer. Mais elle sait qu'elle ne s'en serait pas sortie sans son frère et ne peut pas lui refuser. Il faut un certain temps pour s'habituer à un nouveau locataire. Mais à sa grande surprise, Lily commence à apprécier la compagnie de Jack. Lentement, mais sûrement. Jack encourage Lily à sortir de sa zone de confort, mais prendre des risques signifie dire aux gens ce qu'elle ressent vraiment. Lily ne veut surtout pas s'engager de peur de devoir, encore une fois, dire au revoir aux gens qu'elle aime. Mais faire preuve de courage pourrait donner à Lily une seconde chance. Et comme le dit le proverbe, on ne vit qu'une fois. En vrai, c'est le genre de trope qui pourrait me plaire, mais c'est quand même assez bateau. Et c'est le genre de romance où, honnêtement, il n'y a aucun suspense. Mais en mode romance doudou, ça pourrait être sympa. Genre si on a besoin d'un petit réconfort. Il y a trop à lire, donc non. Linda ne veut pas du doudou. Ensuite, on repart à de la romantaisie. Je vous affiche la sortie de romantaisie qui arrive prochainement. Coucou Eline, comment tu vas?
Donc la prochaine sortie, c'est également le 17 avril, La Rage des Faës, le tome 2, Le Cœur du Prince de l'Hiver de Alessa Thorne. Si je dis pas de bêtises, le premier tome était sorti il y a un ou deux mois, donc c'est assez proche en termes de sortie. Il y a trois tomes de sortie, c'est chez Milady. Et le premier tome nous dit « Maudit, trahi, banni ». Depuis 1500 ans, les Faës préparent leur vengeance et leur retour en Angleterre pour y revendiquer la place qui leur revient de droit. Pour le prince Kian, hors de question qu'une humaine infernale lui mette des bâtons dans les roues. Pourtant, sa nouvelle esclave, capturée comme une prise de guerre, représente peut-être la clé de son salut. Kian a besoin du sang d'Elise pour briser la malédiction qui le détruit à petit feu. De son côté, Elise doit guérir Kian de cette même malédiction pour gagner sa liberté. Quand on passe un marché avec un faé, on ne peut pas revenir en arrière. Mais le jeu en vaut-il la chandelle si sa liberté lui coûte son cœur et condamne son pays ? Je comprends pour la guilde, moi c'est Anna. J'ai préparé ma vidéo coup de cœur 2023 et dans les 10 promis, il y a 5 Anna. Mais oui ! Mais Anna, de toute façon, moi c'est mon autrice préférée, mais vous le savez. Hein. Je me suis mise à rire et à parler de toi. Premier Anna, deuxième Anna, troisième Ophélie au milieu d'une intrise. Mais oui. Oh, trop bien. Ça va et toi? Je reviens dans le JF à Grenoble. Ah, t'étais chez moi du coup, Lynn. C'était bien ou pas? Est-ce que tu as bien fait la fête? Non mais de toute façon, moi tu me demandes de faire des tops, Anna et tous ses bouquins sont dans mes tops, hein. Angélis, on se connaît, hein. On se sait. En même temps, faut que je lise le premier Aurélie dit addictif, même si pas très bon. Ouais bah écoute, faut voir, encore des faës, ouais, toujours des faës, il y en a de partout, c'est la mode Manon. Je sens un peu comme Broken Bond, genre c'est pas exceptionnel mais on veut savoir la suite. Ouais mais Broken Bond en fait... Je trouve que, certes, la plume n'est pas exceptionnelle, mais c'est tellement addictif que, pour moi, ça reste des coups de cœur, tu vois. Il y a ce côté frénésie de lecture. Et toi, elle sort de ma tête. On se parle trop. Oui, c'est notre dernière nuit dans le chalet à Saint-Jean-le-Vieux. Ah, bah trop bien. C'est où, Saint-Jean-le-Vieux? Tu me dis que c'est à côté de chez moi. Mais... Enfin, c'est peut-être un petit bled. Oui, l'effet de LC en groupe. J'avoue. Enfin, LC en groupe. Est-ce qu'on peut parler du NLC quand on torche la lecture commune en 2 jours? Qui doit s'étaler sur 1 semaine. Oui, petit bled. Ah, c'est pour ça. Ça doit être dans nos montagnes. C'était pas NLC. C'est ça. Ah bah ouais, on a une belle vue chez nous, Eline, hein. La vue est magnifique avec nos montagnes. J'espère que t'as pas cramé autant que moi. Je vous présente du coup une sortie poche de chez Hugo. Vous avez peut-être déjà lu cette saga en brochet, puisqu'elle est quand même très connue. Il s'agit de la saga Sin de K. Bromberg. Donc là, vous avez le tome 2 en poche. One Condition. Excusez mon... accent anglais qui est totalement formidable, vous pourrez en juger par vous-même. C'est ironique, bien entendu. Donc, en format poche, on va suivre une autre histoire des frères Charbre, qui sont des triplés millionnaires qui héritent, au décès de leur père, de la compagnie familiale, la Sharp International Network. Voilà, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais dans chaque tome, en fait, on suit l'histoire d'un des frères. Une romance, bien entendu, avec un millionnaire. On l'a oublié au bout de 2 jours, la LC. Mais grave! Mais grave, Laurine, la LC. LC? Ah bon? Quoi? Plutôt, tu nous as même pas attendu pour lire la suite, alors bon. T'as pas été solidaire. Non. Ensuite, le 17 avril, on a une petite romance, toujours chez Alter Real. Il y a beaucoup de sorties Alter Real, en fait, chaque semaine, je me rends compte. Ce que cache ton sourire de Val Loglia,
une romance qui a l'air assez new adulte. On nous dit que Evie, 16 ans, fait son entrée au lycée. Elle a tout de l'intello de service, solitaire. Elle passe son temps à la bibliothèque, le nez dans les livres et dans les poèmes qu'elle écrit. Calypso est la star du lycée. Toutes les filles en sont folles et il enchaîne les conquêtes. Mais personne ne sait qui il est vraiment, ni ce que cache son sourire de façade. Elle est introvertie, aime sa tranquillité, elle est populaire et aime la lumière qui cache ses failles. Rien ne les destine à être ensemble, sauf le hasard. Voilà. Ça a l'air assez bateau comme résumé en vrai. Ça me tente pas tellement. C'était plutôt « Salut les gars, je continue sans vous !» J'avoue, c'était totalement ça. Encore plus pour toi, Laurine. Encore plus pour toi. C'était comme une nargue. Mais t'as vu ? T'as vu ça ? Elle a lu toute la saga, même pas nous attend. Et nous, la saga, elle est repoussée de semaine en semaine. Maintenant, elle est indiquée en mai. Je suis dégoûtée. Je plaide coupable. Ah bah oui, tu peux plaider coupable. Bon cocktail à toi, Eline. Merci beaucoup d'être passée. Allez, on passe à une petite sortie de chez Rajo pour le 17 avril. Je vous l'affiche à l'écran. Je pense qu'elle sera un petit peu plus haletante que la précédente que je viens de vous citer. Du coup, il s'agit de Le Code de Jill de Jan Bocné-Carl. On nous dit « Victime d'une purpura rhumatoïde qui paralyse ses jambes, Jill passe son enfance recluse dans son appartement. » En compagnie de sa famille extravagante et de sa propre imagination. À la mort de ses parents, elle recouvre l'usage de ses membres et devient l'apprentie de Monsieur Molineux, anthropologue qui recompose pour la police scientifique ou des archéologues des visages et des corps à partir d'ossements. La jeune fille montre un véritable don pour ce métier qui la fascine. Guidée par une étrange intuition, elle excelle à façonner les visages des morts. C'est un petit peu glauque, hein ? Lorsque son mentor meurt, elle est chez Anthropolab, un prestigieux laboratoire privé dirigé par Hermann Kaiser. Jill prend alors part à un ambitieux projet archéologique daté et recomposer entièrement un corps féminin à partir d'ossements trouvés dans les puits d'une place forte cathare. Au fil de son enquête, elle va de surprise en surprise. Le murmure des os sous ses doigts lui révèle une histoire au contour trouble. Rien que la coupe, c'est mieux. On est d'accord. Et elle me faisait penser à Never King, la couverture de chez Corrigan. Même si la thématique n'est pas du tout la même et que ça n'a pas l'air spicy du tout, cette sortie de chez Rajo, la couverture me faisait penser à celle de Never King. La prochaine sortie, c'est un webtoon que je devrais recevoir très prochainement. Je suis même étonnée de ne pas encore l'avoir eu dans la boîte aux lettres. J'espère que le facteur l'a pas perdu. En service de presse, c'est pas un compliment de comparer à New York. Je compare pas le contenu, juste la couverture. Il s'agit du coup de Freaking Romance, le tome 1 de Snailord. Alors apparemment c'est 2 tomes. Et on nous dit chaque relation a ses propres obstacles. Pour ce couple, ils sont cosmiques. Zilith, tout juste majeure, se retrouve à la rue pour avoir désobéi à ses parents. Dans sa recherche d'un appartement, elle découvre le logement parfait, lumineux, spacieux, pas cher, et surtout hanté par un mystérieux et très beau jeune homme. Il ne semble pas la voir et dès qu'elle le touche, il disparaît. Mais qui a dit que toutes les relations commençaient de manière idéale ? Franchement, je suis curieuse de découvrir ce webtoon et apparemment, il a de très très bonnes critiques pour ceux qui l'ont lu sur les plateformes. De très très bons avis, donc je suis encore plus curieuse de le découvrir. Mais je vous en parle bientôt, parce qu'à mon avis, aussitôt reçu, il sera aussitôt lu. Je vais vous présenter du coup une autre sortie. Elle est où, de la couverture verte. Hop. C'est la dernière sortie du 17 avril avant de passer aux sorties du 18. Donc c'est The Cherry Tree Café, le tome 1, le joli café du cerisier, qui sort du coup en format poche, puisqu'il y a déjà le format broché qui est disponible. C'est une saga de 9 tomes. Donc voilà, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Et on nous dit « Rien ne va plus pour Lizzie Dixon ». Comme si se faire plaquer sans ménagement le jour de son anniversaire, alors qu'elle ne s'attendait pas à une demande en mariage, ne suffisait pas.
Elle va également se faire renvoyer de son job. Il ne lui reste qu'une solution, retourner à Winbridge, le village de son enfance, et tout recommencer à zéro. Elle va pouvoir aider sa meilleure amie, Gemma, qui vient d'ouvrir un café et renouer avec ses premiers amours. La couture et l'artisanat en tout genre. Et en parlant de premier amour, Lizzie va également devoir composer avec Ben, son amoureux du lycée, très proche de Gemma et de son mari. Une nouvelle vie s'annonce donc pour Lizzie. Arrivera-t-elle à se remettre de son chagrin d'amour? Et pourquoi ne pas commencer par raviver la flamme adolescente? Alors je regarde juste par curiosité savoir si c'est sur... Non, c'est pas sur les mêmes personnages, les prochains tomes. Je lis pas le résumé pour pas me spoiler, mais c'est déjà pas les mêmes prénoms qui apparaissent. Donc ça a l'air d'être une saga de tomes compagnons. Donc si jamais vous voulez vous arrêter après le tome 1, je pense que c'est totalement possible. Ça me fait penser à une autre série qui est même sur Netflix. J'ai perdu le nom. Ah mince, j'allais te demander justement quelle série... quelle était la série en question, Linda? J'oublie plein de pronoms ce soir quand je parle. On parle sans pronoms, on met les mots juste les uns à côté des autres et tout va bien. Ensuite, on a le tome 2 d'une saga qui est, je suppose, très attendue. Pour ma part, je n'achèterai pas le second tome en relié tant que je n'ai pas lu le premier. Parce que si j'aime pas, je me protège. Il s'agit du coup du tome 2 de Light Lark de Alex Aster, qui est publié chez Lumen, où on a un tournoi magique, si je me souviens bien, dans le premier tome. Alors, on est dans une saga de fantasy avec une malédiction, des pouvoirs magiques, de la romance et un tournoi. Parce qu'on a le centenal et il faut rompre une malédiction. Et pour rompre cette malédiction, une des personnes du centenal doit mourir. Voilà. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de me remettre le résumé complet en tête du tome 1, étant donné que je vais prochainement le lire, puisque c'est la lecture du book club qu'on a en présentiel avec Aurélie, de notre book club grenoblois. J'ai revendu le tome 1 alors que j'avais la version collector, j'ai trouvé ça hyper mou. Ah mince! De toute manière, je vais lire le tome 1 et puis selon mon ressenti du tome 1, j'achèterai le 2 ou pas du tout. Mais voilà, je veux plus acheter des sagas complètes si ça me tente pas. Et si jamais je retrouve pas le tome 2 en collector, et bah, je revendrai mon collector et je prendrai le brochet. Parce que on n'est pas riche et il y a trop de sorties qui font envie, donc on peut pas tout avoir. Hop, j'en suis où ? Dans mon fichier des sorties littéraires. Là. Ah mou, il me faisait envie. Ah oui, toi qui aimes bien l'action, Linda, je sais pas du coup si ça te conviendra. Moi, ça me dérange pas quand c'est un peu contemplatif, donc je pense qu'il faut voir. On n'est pas riche et on va bientôt nous taxer la revente. C'est le moment de trier. Ouais, effectivement. C'est ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux. Je m'attendais à de vraies épreuves, de vrais enjeux, de l'action, du suspense, mais pas du tout. Après, ça prend peut-être son temps, non, Amélie? Je sais pas. J'ai vu, en fait, sur Light Lark, j'ai vu soit de très bons avis, soit des avis très mitigés. Donc, je pense que c'est difficile de se faire un avis pour savoir si ça pourrait nous plaire ou pas. Il y a vraiment de tout. Donc, le 18 avril sortira Les Territoires Alpha, le tome 2, traqué par le destin de Shannon Meyer, publié chez Roncière. On est vraiment dans une saga en 5 tomes qui est très spicy. J'ai pas vu des avis très élogieux sur le tome 1, mais si jamais ça vous tente, je vous lis le résumé du tome 1 pour pas qu'on se spoil. On nous dit un général vampire, une humaine avec un secret, un jeu dont la récompense est la survie. Sienna s'est livrée à des esclavagistes pour rejoindre le territoire loup-garou et sauver son meilleur ami. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. La jeune femme est vendue aux vampires et forcée de prendre part au jeu de la moisson. Une joute de séduction aux conséquences mortelles. Fils bastard du roi général de l'armée des vampires, Dominique n'a qu'un seul but, protéger son jeune frère Will contre la tyrannie de leur aîné, le prince Edmund, prêt à tout pour conserver le pouvoir, c'est sans compter sa rencontre avec Sienna. Un désir aussi sauvage qu'interdit naît entre l'humaine et le vampire, mais dans un climat politique plein de violence, le moindre faux pas peut leur être fatal. On trouvera peut-être des livres à 1 € symbolique pour la révolte. On a le droit de rêver, Manon. On a le droit de rêver. J'ai lu mi-février, j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Bon, bah c'est que c'était pas exceptionnel comme lecture, Linda.
Merci beaucoup, Taloulo, pour ton follow. Bienvenue par ici. J'espère que tu vas bien. On est en train de terminer les petites sorties littéraires qui arrivent en librairie cette semaine. Et après, on passera sûrement à des petites sessions lecture tranquillou-pilou. Je sais pas pourquoi j'ai dit tranquillou-pilou. Ensuite, on a la suite d'un webtoon. Alors moi, je ne le suis pas en papier, je le suis en animé parce qu'il est également sur la plateforme Crunchyroll. Mais il paraît qu'il est très très sympa à lire. Il s'agit de comment Raylania a survécu au manoir White Knight, tome 4. Donc, il sort le 18 avril. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. On y suit une héroïne qui arrive dans un manoir pour et qui doit se faire passer pour la fiancée du duc. Voilà. Et elle a une certaine mission et tout ça. C'est très sympathique. On a vraiment un résumé assez typique des webtoons. Mais en tout cas, avec l'animé, je passe un bon moment. Ah, j'ai bien aimé cet animé-là. Ouais, il est sympa l'animé. Il est sympa. C'est pas le meilleur que j'ai lu. Enfin, que j'ai lu, non, que j'ai vu en animé, mais c'était très sympa. Donc, si jamais ça, vous suivez la saga papier, bah voilà. Elle arrive. La suite. Ensuite, on a une petite sortie de Ariel Holz chez Slalom. Il s'agit de Magie et Sentiments, les secrets de Langdon. Il sera en collector et en brochet, si je dis pas de bêtises. Alors, j'adore cet auteur, mais j'ai pas trop accroché avec Runborn que j'ai terminé cette semaine. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais vraiment très très envie d'accrocher avec Runborn. Du coup, si un jour je craque pour Magie et Sentiments, j'espère que ça le fera un peu mieux. Alors, j'avais adoré La Princesse sans visage de l'auteur. On nous dit mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Cela fait des années que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1853, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc Exeter est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunériens, les Pendergeist. La rencontre a lieu à Punging Earth Palace, où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luke fait la connaissance de la belle et mystérieuse Shiva, la sœur de Nathaniel Pendergeist. L'ambiance est électrique, tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain, mais sont là les seules raisons? Au cœur de Longdon, une effervescence marquée par les meurtres sanglants du vampire de Blackchurch et des négociations diplomatiques sous haute tension, les secrets sont partout qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus. En vrai, je pense que celui-ci pourrait me plaire. Il y a un petit côté romance qui est un peu plus prononcé. Du coup, voilà pour ceux qui attendent cette sortie. Elle arrive bientôt. Après, on a une petite romance qui sort en poche chez Addictive. Le brochet avait été sorti sous une ancienne édition. Je vous l'affiche à l'écran. Hop. C'est celui-là, hein, je me trompe pas. Ouais. C'est... Non, c'est pas la bonne. Si, c'est la bonne. Non. Si. Jardin secret, c'est bien ce que j'affiche à l'écran. Oui. Non, c'est la bonne. Je vous ai bien affiché la bonne couverture. J'avais un doute. Donc il s'agit de Jardin secret de Holly TL. On nous dit le plus troublant et transgressif des contrats. Tiger Sexton semble tout posséder. Le charisme, le respect. Un sens implacable des affaires. Plus de fortune qu'il ne pourrait en dépenser en une vie et une sublime épouse de Sophia. Lorsque Océane est justement reçue par Madame Sexton pour un entretien d'embauche dans l'un des restaurants de son mari lui a offert, la jeune touriste française ignore tout de ce couple. Leur nom ne lui dit rien. Le people, ce n'est pas son truc. Elle veut juste un job, un toit et tourner une page raturée de sa vie. La proposition que lui fait Sophia tombe à pic. Les Sexton recherchent une jeune fille au pair. Mais en lui ouvrant leur porte, bien d'autres verrous risquent de sauter. Océane est-elle prête pour cela ? Et qu'en est-il de Sophia et surtout du tigre tapis dans ce jardin secret? Je sais pas où nous emmène ce résumé, mais ça a l'air chelou. Il y a l'air d'avoir des choses très louches qui se passent dans cette histoire. Très très louches. Quand je vais voir les thèmes, on nous dit érotisme et secte. Fille au père, j'ai du mal. Ouais, je comprends Linda.
Je pense que celui-ci n'est pas pour moi. Ça a l'air assez malaisant quand même. Mais si jamais ça vous intéresse, bah, il sort bientôt. Je ne l'ai pas demandé le poche d'ailleurs. Il ne me tentait pas. Je ne l'ai pas demandé en SP. Ensuite, du coup, toujours une sortie du 8 avril. 18 avril, pas du 8 avril. 18 avril chez Addictive. Je vous affiche la couverture. Elle est là. Il s'agit de Human Life de Noah Dillinger. Alors cette fois-ci, on nous dit « Je m'appelle Amy et mon existence a pris un tournant extraordinaire le jour où j'ai reçu un colis de Human Life. Ce jour même où Owen est entré dans ma vie de la plus étrange des façons. Je ne dois parler de lui à personne, le défendre, l'apprécier, le désirer risque de me coûter très cher, car l'ombre menaçante que fait planer sur nous l'entreprise Human Life avec ses expériences mystérieuses nous met tous en danger, mais comment faire quand l'inimaginable s'invite chez vous ?» Le résumé ne dit pas grand-chose, mais voilà, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Intriguant, c'est ça, intriguant, comme tu dis, Linda. Ensuite, on va passer à une sortie qui est un peu plus science-fiction, pour ceux qui sont adeptes du genre. Je vous l'affiche. Il s'agit de La Maison des Soleils de Alastair Reynolds, qui sort également le 18 avril. On nous dit « Ils sont la lignée gentiane, la maison des fleurs. Ils sont mille, mille clones âgés de 6 millions d'années, tous issus d'Abigail Gentian et d'une époque où l'humanité n'était encore qu'à l'orée de l'ère stellaire. Depuis tout ce temps, ces fragments éparpillés parcourent les galaxies, spectateurs de l'aventure humaine à travers l'espace, là où empire et conquête fabuleuse se fracassent sur la noria du temps. Tous les 200 000 ans, après un tour complet de la galaxie, les membres de la lignée se réunissent pour échanger souvenirs et expériences. C'est la millième nuit, une fête sans pareil. Or, pour cette 32e réunion, Campion et Pearlsan sont en retard. Un détail, pas vraiment, car du dit retard pourrait bien dépendre le devenir de l'ensemble de la Voie lactée, et peut-être même bien au-delà. C'est pareil, pour moi je trouve que c'est intriguant. C'est très très intriguant. Après la SF, j'en lis pas souvent, mais des fois j'aime bien me plonger dans un petit bouquin de SF. Il me reste 3 sorties à vous présenter du coup. Oh non, prise de tête. Ah, t'aimes pas du tout la SF toi, Linda ? Donc on va passer à une petite réécriture de conte par la suite. Je vous affiche la couverture. Perso, j'aime beaucoup la couverture. Il s'agit de New Fairy Tale, le tome 1. Il y a 3 tomes d'annoncés, Wendy et Crochet, de Samantha Morgan. Ça a l'air d'être de l'auto-édition. On nous dit « Quand les contes de fées deviennent une sombre réalité, l'enfance se perd dans la vengeance. » Il y a 17 ans, une créature mi-femme, mi-oiseau a enlevé les sœurs de Wendy. Depuis leur disparition, l'obsède et la pousse à tout tenter pour les retrouver. La rumeur veut que ces étranges créatures emmènent les jeunes femmes dans une île perdue au milieu de l'océan, sur l'ordre de Peter Pan. Mais lorsque Wendy parvient à s'y rendre, elle découvre que la réalité est bien loin du conte pour enfants. Capturée par des pirates, elle devient la proie du capitaine Crochet, aussi sombre que séduisant. Il compte bien se servir d'elle pour atteindre son ennemi juré Peter Pan. Sur cette île magique où l'émerveillement et le danger ne semblent faire qu'un, Wendy ne doit pas se laisser déconcentrer par les charmes qui l'entourent, en particulier par celui du mystérieux pirate. On ne doit jamais faire confiance à Peter, de toute manière. Exactement. En vrai, je ne l'ai pas mis dans ma wishlist, mais il me tente. Je vais l'ajouter. Je crois qu'il me tente bien. Je vais l'ajouter à ma liste d'envie. Il faut savoir que j'adore le dessin animé Peter Pan. Je l'ai poncé, gamine, mais un nombre incalculable de fois. Je suis plus sensible à Peter Pan qu'à la Belle et la Bête. Je sais, je ne suis pas normale. N'ai plus confiance en Peter Pan, c'est fini. Ensuite, on a une petite sortie. Comment elle s'appelle, cette collection ? Oh, je sais plus le nom de la collection. Qui a l'air pas mal, du 19 avril. C'est l'avant-dernière que je vous présente dans la vidéo. Alors, je vous l'affiche. C'est la même sortie que la même collection que Blackwater. Il s'agit de Cathy de Michael McDowell. On nous dit « Lorsque Philomena Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de margoulins cupides,
les Slape, elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse car Katie Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain. Mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la furie. C'est intriguant. Je trouve que c'est intriguant le résumé. Court, concis, intriguant. Et je vous présente la dernière sortie de cette vidéo. Alors je sais pas combien de tomes il y a, parce qu'il y a marqué que c'est un tome 1, mais il n'y a pas le nombre de tomes d'indiqués. Donc je suppose que les tomes sont en cours d'écriture. Il s'agit donc de Le Démon des Mers, le tome 1, de Lauriane Baum, et je pense que c'est également en auto-édition. On nous dit, il est en quête de vengeance, à la soif de liberté. Feront-ils le choix du devoir ou de l'amour? Démon des mers, pourri du Peléa sanguinaire. Eako, c'est un guerrier avide de vengeance que l'on dit protégé des dieux et dont les aèdes chantent les massacres violents. Destiné à renforcer l'alliance avec les Camaris, Lyanna s'est préparée à quitter ses proches, mais doute d'être prête à endosser ses responsabilités d'épouse du prince héritier. Quand le frère d'Ilyana ordonne à Eakos d'escorter la jeune femme auprès de son fiancé, il brûle de refuser. Parce qu'elle est la fille de la souveraine qu'il méprise plus que tout, qui a provoqué la disparition des siens en livrant leur pays aux pirates. Pourtant, malgré sa haine, il jure de la protéger envers et contre tout. Ce dangereux voyage pourrait tout changer, pour les royaumes et pour eux, mais que faire face au poids de la vengeance, face à celui du devoir quand le cœur n'aspire qu'à la liberté? Ah, ça a l'air d'être une duologie. Parce qu'à la fin, il y a marqué une duologie de romance fantasy dans un univers inspiré de la Grèce antique. Donc, c'est une duologie. Voilà. La petite dernière sortie. Non plus. Ah, bah, il y a moins de sorties qui te tentent cette semaine que la semaine dernière, du coup, Linda. Tu vas faire des économies un petit peu. Surtout à la vitesse où tu lis. Qui est assez impressionnante. Voilà du coup pour les petites sorties de la semaine. Sur ce, bah, je vais vous laisser ici. J'espère que bah, vous avez passé un bon moment. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une session lecture. Demain pour un petit Read With Me à 21h. Ouais, j'ai pris quelques coups de soleil, Emily. J'ai pris quelques couleurs aujourd'hui. Et j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère vous voir du coup demain. Si vous pouvez pour le Read With Me, bonne nuit à tous et je vous dis à bientôt. Je vous envoie du coup chez Guimauze pour lire un peu pour ceux qui le souhaitent. Je sais plus où j'ai mis mes touches. Et puis je vous dis à très 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 bientôt.